Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue sur du Pickle Magical 3. Bon, bonjour, comment allez-vous? Ça va, tranquille? Bon, moi toujours super bien. Donc par rapport à l'épisode d'avant qui était complètement buggé au niveau de l'affichage, mais désolé série, c'est bien YouTube qui merde. Et le point positif négatif que j'ai, pas positif, négatif, c'est que en fait, une fois qu'il est podé et que c'est traité, bah moi je supprime la vidéo sans que pour autant je regarde en fait le rendu final sur YouTube. Donc du coup bah le cadrage était mal fait, mais bon tant pis. Vous avez quand même bien aimé l'épisode. Alors moi j'ai avancé en off, donc il y a du botania ici. Alors vous avez reproché aussi que il y avait très peu de contenu au niveau de l'épisode dernier, parce que il y avait en fait j'ai fait que 3 fleurs en plus sur 30 minutes. Donc du coup j'ai changé 43 minutes même, c'est pas 30, 43. Du coup ce que j'ai fait, alors j'ai remis un petit peu ces fleurs là tranquillement sur celui-ci. D'ailleurs il faudrait que je le bouge lui, parce qu'il n'est pas à sa place et lui non plus, qui s'oriente directement sur celui-ci. Donc je vais prendre ma petite baguette, hop, ça l'a rempli. Alors du coup ce que j'ai fait envoyer là-haut, hein, j'ai mis ce qu'il faut, j'ai mis la mana pool qui est pleine, qui envoie dans le dans l'altar ici pour faire mes petites comment on pourrait appeler ça, mes rituels. Oh mais bah j'ai pété le truc moi. Pourquoi j'ai 2 graines? C'est chelou ça. Du coup, hop, on va péter ça parce que j'en ai plus du tout besoin. Hop, et ouais, un gravier. Hop, pour récupérer le truc en fait. Du coup, voilà. Ce que j'ai fait également, j'ai fait du Tomcraft. Alors le Tomcraft, je l'ai fait en off. Pourquoi en off? Parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas forcément du Tomcraft. Mais de toute façon, je vais être obligé de le faire. Pourquoi je monte en fait? Ah non, là c'était normal. Hop. Je vais être obligé de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai des. Au niveau des quêtes, il va falloir que j'avance d'un côté, comme Botania, comme j'avais expliqué en fait dans une game. Donc, je vais être obligé de le faire. Également, maintenant que Botania est fait, on va peut-être continuer un petit peu nos quêtes. Eh bah oui, il faut peut-être continuer un peu nos quêtes. Donc, au niveau de Tomcraft, ici, j'ai mis du Silverwood et des shards. Alors, les shards, comment je les ai obtenus en ayant beaucoup, hein, ça veut dire qu'il y en a un, deux, il y a 3 étages au niveau de la, comment, du Silverwood, il y a un 3e étage, donc je pense qu'il est stable. Je ne suis pas sûr, donc je rajouterai des têtes quand j'en aurai, parce que les têtes n'ont pas de MC. Normalement, c'était ça. Je vais quand même vérifier, aide. Ouais, il n'a pas de, ils n'ont pas de MC, par contre, on peut les faire via Magical Crops. Donc du coup, on y reviendra plus tard. Alors ici, ça neige toujours. Oui! Donc, voilà, donc ceci étant fait. Maintenant, au niveau de Project il y a des choses qu'on va faire, il y a des choses qu'on va pas faire maintenant. Puisque bah déjà ici. Oh 56, waouh, ça a tellement avancé, c'était fou, c'est fou. Alors ici, bah j'ai max de shards. Tout à fait normal. Ici j'ai toujours le même. Ici, bah toujours aussi plein. Lui plein, lui plein. Et lui, et bah lui il descend. C'est tout à fait normal. Parce que ça utilise de la redstone, mais lui il ne produit pas. Donc bon. Donc ça c'est bon. On va se faire. Alors, d'ailleurs, Botania, il faudrait que je le change de place. C'est bien vrai tout ça. Il faudrait que je le change littéralement de place. Tiens, j'ai 2 briques. Je peux dire que ça casse pas des briques. Là là. Voilà. Alors, j'ai rajouté un mode qui est Underio. Pourquoi avoir rajouté Underio? Parce qu'avec Botania, j'ai besoin en fait de d'items conduite et de redstone conduite que je ne peux pas faire avec les autres câbles. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai rajouté Underio. Pourquoi? Parce que c'est nettement plus sympa d'avoir Underio, surtout un 7-10. Mais également, c'est que je l'alimente comme ceci grâce à de la redstone. D'ailleurs, en parlant de redstone, peut-être bien que j'aille en chercher un peu. Que je puisse faire ce qu'il faut. Hop. Voilà, ça fait toujours de la redstone supplémentaire. Donc, ceci étant fait. Maintenant,
Au niveau de notre quête. De notre quête, nous en sommes où? Nous en sommes où? Nous en sommes où? Ah oui, il faudrait que j'aille chercher des squelettes. Mais ça attendra un petit peu. Au niveau de Botania, il y a besoin de faire le Botanical Brewery, les Basic Runes, la Mana Storage. Dans Tomcraft, il n'y a rien d'autre de débloqué. Il y a Blue de Magie que je voulais faire. Magical Crops également que je veux faire. Twilight, on y reviendra plus tard. Je sais moi, j'ai vu Under You. Under. Ah non, Under Expansion. Ok. Donc il va y avoir pas mal de choses pour l'instant. Que je vais faire. Je dis bien ce que je vais faire. On va continuer un petit peu nos quêtes sur ça. On va faire un petit peu du Botania. Botanical. Voilà, je l'ai. Alors, comment ça se fait? De toute façon, il va falloir faire des runes. Donc, du coup, c'est pas plus mal. Alors, il me faut de la blaze et... j'ai pas de blaze. Il va falloir que j'aille en chercher encore. Ah bah non, je suis con. Oh, mais je suis con. La blaze rod, j'en ai plein ici. Tiens, je vais en prendre plus. Hop. De la blaze rod, j'en ai plein là. Je vais chercher de la cobble. Ah oui, je suis con, j'ai plein de blaze rod et j'arrive pas. Oh là 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 là. Alors, n'oubliez pas toujours quand vous avez Tomcraft de scanner. De tout scanner. D'ailleurs, en parlant de Dark Matter, tiens, hop, 14 de plus. Ça en fait 18. D'ailleurs, on pourrait faire notre four en Dark Matter. C'est le four en Dark Matter, c'est quelque chose de tellement pété en fait. Et ensuite la Red Matter. Bon, ça va être un petit peu plus short par contre. Mais le four en Dark Matter, c'est une rapidité exemplaire, c'est fou. Oui! Hot Matter. Pas beaucoup par rapport à ce que je pensais. Alors, du coup, vous mettez votre fuel et ça fait le reste. Ah oui, ça cuit plutôt vite, hein. Ah, c'est l'avantage en fait de la Dark Matter, ça cuit tellement vite. Et ça s'arrête. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Alors, par contre, je suis en train de me demander si ça consume, même si il n'y a plus rien à cuire. Ça, j'ai un petit doute. Non, ça va, ça consomme pas. Donc, c'est pas plus mal. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais tac, tac et tac. Alors, maintenant, une fois que nous avons ça, bah, il nous faut toujours ceci. Il nous faut des Living Rock. Ok. Alors, il m'en faut 5 comme ça, plus une Under Pearl. Bah, 5 comme ça, c'est parfait. Hop, 5. Alors, l'Under Pearl, je n'en ai plus. Clairement, je n'en ai plus, donc ce que je vais faire, je vais rajouter un coffre à Under Pearl, puisque j'en ai vraiment besoin. Hop, hop. Donc ce que je vais faire, bah, il va falloir de toute façon que je me fasse un gros système de pour mettre des items en mode semi-auto. Du fait que lui, il a pas de MC, mais que lui, il y en a plein. Tiens, toi, t'en as plein. Hop. Alors oui, c'est ultra cheaté Project E, mais c'est tellement cool. Ah, j'ai le hook. Donc j'en ai 5 et 5, il me faut une Living Rock, il m'en faut 7, plus un bloc de fer. Alors pourquoi un bloc de fer? C'est tout simplement, on va transformer ce bloc de fer directement en comment en j'arriverai un jour hein. En mana steel directement, hop, c'est directement de la mana. Lui, on fait ça. Ensuite, il nous faut notre living rock en bas. Ah, on en a plus. Non, t'es sérieux, on a plus living rock. Oh.
Ah, assez problématique ça, tiens. Alors, tu permets. Vas-y, toi, le temps que tu fasses ça, je vais aller chercher ma Living Rock. Donc, il me faut de la stone. Bon, ça va, la stone, c'est pas trop un problème, sachant qu'on a tout. Hop. Donc, on va faire ce qu'il faut. Lui, le temps qu'il travaille, en fait, eh ben, j'ai le temps d'aller en bas. Et de faire ce qu'il faut. Voilà. Alors, tout ça, bien sûr, ça va être semi-automatisé. Ce que j'entends par là, c'est comme on a Applied. Il y a voir le craft. Oh, ça va, le craft est simple. Vu qu'on a Applied, je vais pouvoir automatiser en fait des runes automatiquement. Et ça, c'est super, super pratique. Ah bah, ça travaille dur ici. Ouais, c'est cool. C'est tellement cool de voir des faisceaux comme ça, en fait. Vous travaillez tranquillement, tranquille, tranquille. Alors là, ça me dit qu'en fait, ça a besoin de Living Rock pour taper. Obligatoire. Donc du coup, bah lui, j'attends. J'attends qu'elle fasse son boulot, leur boulot plutôt. Et du coup, on va pouvoir avancer en faisant ceci. Ah, bah c'est pas trop tôt. Hop, vous jette et vous faites ça. Voilà, Rune of Mana. Bon, bien sûr, il m'en faut plus. Il m'en faut beaucoup plus. Il me faut 6 autres trucs comme ça. 5 et 6. Voilà. Prenons une table de craft. Version classe. Tac, tac, paf, paf et paf. Ah non. Ah. Voilà. Boring. Machin. Ce que je vais faire, vu que j'ai besoin de ça, j'ai un autre truc là-haut, je voudrais bien le mettre ici. Ça pourrait être sympa, tiens. Je vais rajouter un petit truc d'ici, hop, mana speeder, faire en sorte que lui arrive à lui. Ah d'accord. Voilà. Ça, il est un petit peu en inclinaison, mais ça va, c'est tranquille. Donc du coup, ceci fait, du coup, il nous donne tout ça. C'est magnifique. Wow. Waouh, une wooden sword. Oh là là, c'est trop puissant. Waouh. Putain. Non, mais c'est pathétique, quoi. C'est, y a rien du tout. Voilà. Hop. Donc, on continue. On va faire nos premières fioles. Comment ça se fait? C'est tout simplement en 3 mana glace. Tac, tac et tac. Vous en avez 3. Et bien sûr, il nous en demande 4. Hein? Attends. Craft 4. Mana glace vial. J'en ai 3 sur moi, oui. J'en ai 6. Ah d'accord, il faut que je crave, je crave, je crave, je crave. D'ailleurs ça, je me demande si je peux... Non, je peux pas. Je suis obligé d'aller rechercher d'Atlas. Bon, c'est un peu chiant ça, mais bon, ça va. C'est pas trop grave, au pire, j'ai ce qu'il faut en glace. En fait, une fois que vous avez Project E et les coffres, comparé à la mise à jour qui est d'après, vous n'allez pas faire ça tout de suite. Largement pas, parce que ça demande tellement de craft auparavant que en fait c'est très dur. Bon, j'en ai 12. Voilà. Fleet. F. Alors, ça nous demande... Ah, c'est du speed 2, ok. Nether Wart, sucre et redstone. Et il nous en demande une. Juste une, hein. Ouais, c'est ça. Hop, alors, Nether Wart, sucre. Hop, on y va de toute façon, il n'y a pas de souci. Hop. Nether Wart. D'ailleurs, en parlant de Nether Wart, est-ce que j'en ai? Normalement, oui. J'ai même les potions là-haut, d'ailleurs, tiens. Nether Wart. Ouais, j'en ai une. Potion... Non, c'est pas celle-là. Et me manque juste de la redstone. Bon, la redstone, c'est pas trop un problème.
Enfin, c'est plus du tout un problème. Hop. Donc, comment vous faites des potions de Botania? Déjà, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisation. Vous faites un clic droit dessus. Et vous faites votre petit clic droit. Hop là. Et là, ça va crafter automatiquement, en fait, le petit système. Et quand ça va être prêt, c'est l'avantage de... L'avantage et l'inconvénient, en fait, de Botania, là. C'est quand c'est prêt, en fait, ça se loot directement. Et voyez, en tout cas, l'animation, je trouve ça tellement classe par rapport à d'autres modes. Et voilà. Je l'ai eu. Alors, qu'est-ce que ça fait? Bah, c'est tout simplement du speed 2 en 4 utilisations. Voilà. Et du coup, j'ai ceci. Mana Dust. Waouh. C'est trop cool. It's a beautiful of day. Ensuite, ensuite, il nous demande à faire les runes. Forcément, Rune of Water. Rune of Water. Rune of Water. Alors, de la mana, canne à sucre, fishing. Ouais, c'est bien beau, mais c'est pas encore ce que je veux. Rune of Water, Rune of Air, Rune of... Machin. Bon, ce que je vais faire, c'est comme ça va être un petit peu chiant de faire Earth et Air en même temps, ce que je vais faire, c'est déjà une ellipse, ça c'est clair, je vais faire ce qu'il faut, et du coup je vous reprends juste après. Voilà. Bon, voilà, du coup j'ai fini mes runes. Je suis content et du coup, oh, il me donne des fire. Oh, c'est cool. Oh, des rails. Ah bah ça, c'est cool par contre. Ça, je suis sûr, je peux pas scanner. Bon, alors du coup, une fois que j'ai fait mes quêtes là, mes quêtes de runes, je peux passer à des... va te faire foutre. très clairement, va te... Oh, la mana essence. Quoique... Run of Dirt. Un triple compressé de cobble. Ok. Donc, Rune of Mana, Rune of Mana Tablette. Rune of Mana version tablette. Ah, cool la Terra Steel. Ça nous demande toutes les gates. Et plus ça. Ok, donc, ce qu'on va faire. Ceci étant fait. Mana tablette. Mana tablette. Tablette. De toute façon, il y a tout ce qu'il faut. C'est un diamant, une underpearl. Donc ça, c'est pas très cher, éventuellement. 3, 4, 5, 6. Ça. Voilà, il m'en manque. Donc, je vais en faire 16. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse l'altar ensemble, au fait. Ça m'aiderait à savoir si vous êtes content que je le fasse avec vous ou pas. Hop. Alors, aussi, j'ai une autre info. LTP saison 2, vous avez bien vu, en fait, que bah il n'y a plus trop de live dessus, ce genre de choses. C'est tout simplement que la map, je sais pas ce qu'elle a fait ou quoi, ou qu'est-ce. C'est très chiant. Je peux récupérer des parcelles de droite et gauche, mais en fait, il y a des latences énormes avec le serve. Et en fait, il faut déjà plus de 20 gigas de RAM pour que la map se lance entièrement. Donc, du coup, quand on a que 16, voilà, ça péchouille un peu. Et dommage, on a dû mettre à fin LTP. Il y en a certains qui vont... Je vais essayer de reprendre des maps, des endroits de maps pour eux. Oh, j'ai fortune dessus. Cool. Pour eux, mais voilà, LTP 2, c'est raté. Du coup, il y a un LTP 3 qui va arriver en 1.8. Je ne vous dis pas plus avec qui ou quoi, il y a très peu de ceux de LTP 2, c'est des nouveaux, et j'espère en tout cas que ça va durer. Donc c'est 1.8.9, en plus c'est un modpack que je viens de faire totalement de moi, il a été créé complètement, et j'ai crafté la mana tablette, et il n'a pas aimé. Shift right click.
mon avis, il demande que je charge entièrement la mana. Mais là, il me l'indique vide, alors je ne sais pas pourquoi ça fera en sorte de la remplir, alors que... C'est ça que je comprends pas trop. Bon, je vais quand même la remplir, on sait jamais. Peut-être c'est juste un bug, mais par contre, ça s'use tellement vite. C'est fou, hein? Le niveau qui baisse à une vitesse. Sauf là, elle doit être pleine. Elle est pleine. C'est magnifique. Et c'est bien buggé. C'est bien ce que je disais. Alors, du coup. C'est pas ici, c'est pas là, c'est pas là. Pas là. Pas là. Pas là. Je ne sais plus. HQM. Edit. Obligatoire. Quand ça bug à ce point, eh ben, il y a juste une seule chose, c'est de faire ceci. Alors du coup, le F2K, je le mets là. Et du coup, on peut faire ce qu'il faut. Donc ça nous donne une rune plus, allez hop, un bague. Ceci l'Atlas. Wow. Yacht. Dragon Box of Safari. Oh! Oh cool! En plus, c'est pas craftable. Ah cool! En fait, c'est comme un briquet. Ah. Light of fire of not burn. Ah d'accord, c'est comme une... En fait, c'est une flamme qui éclaire, mais qui brûle pas. Ah, c'est plutôt cool, ça. Tiens, Rune of Mana, elle est redonnée. Alors, du coup, ensuite, de Botania, il nous demande de... Rot of the Land. Tiens, on va essayer de la faire parce que je... Oups. Rod of the Land. Alors, Rune of Earth, je l'ai. Et il me demandait celle en cobble. Depth. Ok, depth. Water, fire. Oh, bah en fait, je les ai tous. Il me manque juste du wood. Alors le wood, je vais quand même le prendre. So, on ne sait jamais. J'ai peut-être pas du bois là-bas. On se tue, j'ai plein de bois. Bah, ça c'est magnifique du coup. Alors 1, 2, 1, 2. Je vais quand même vérifier. 1, 2. Voilà. Je vais quand même vérifier parce qu'on ne sait jamais. Hop, j'en ai 3. Ici, je m'en fais juste une. Rune of Cobble. Pourquoi la Rune of Cobble, elle a pas voulu. La fire, la water. La truc là. Ah il me manque de la cobble en fait. Ouais, pour une fois il me manque de la cobble quoi. Voilà. Rune of Death, Rune of Rod. Ensuite il nous donne bah, tout ça, c'est magnifique. Et tout ça. Alors ça je vais pas les faire maintenant. Mana Lens Potency. Upgrade to mana speeder to place the wand from upgrade, ok. Ah d'accord, ça augmente en fait la mana. Ça augmente le transfert de mana. Ok, c'est cool. Hop, ça je bouffe. Wow. Alors, j'ai un coffre qui me sert peut-être pas trop à rien d'ailleurs en parlant de ça. Je vais voir pour le mettre là, tiens, ça peut être cool, un petit coffre pour ici. Blood Arsenal, c'est cool. Je vais le garder. De toute façon, je vais pas le jeter, hein. Il faudrait être con pour le jeter. Triple compressed et triple compressed d'Oort. Ok, donc ça, bah, ça c'est magnifique. Ça et ça, je vais le foutre là. Je vais foutre les runes. Tranquillement, ça ici également. Compressed dirt et cobble, je vais la foutre là parce que j'en ai pas forcément l'utilité. Mana Lens. Nous demande ensuite des Mana Lens. C'est efficacité. Rune of Water, c'est des glaces et ceci. Et forcément, ils vont pas demander. Ah, des glaces normales. Oh, bah, c'est cool. Ouais, des glaces normales, mais j'en ai toujours pas non plus. Ah si, j'en ai une, je suis con. Hop. Donc,
une glace, 4 retours, et ça fait une mana land. Que tu fous avec une rune of water? Ah, j'en ai plus de la rune of water, fais chier. Et mana efficacité. Ah non, c'est potency. Ah merde! Potency, rune of fire. Ah merde! Ah la boulette! La boulette. Bah du coup, je vais aller rechercher du fer. Ah la grosse boulette! Par contre, du fer, je voudrais bien en avoir un peu plus quand même, parce que là, j'en ai plus du tout. Je vais me refaire ce qu'il faut. La dirt, c'est bien beau. Tac, tac, hop. Ah, tiens, les rails aussi. Ah, ça, c'est une boulette, par contre. Pourquoi j'ai ça? Je sais pas ce qu'elle est, ça. Ah ouais, je sais pas ce qu'elle est, ça. Donc, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Donc c'est la Rune of Fire, Potency, et eh oui, Rune of Fire. Bah c'est pas très grave, au pire, j'ai un coffre, hop, je vais mettre mon fer dessus. Voilà. Tiens, j'en ai 2000, hop, tut. Voilà, j'en ai 18 de plus, c'est magnifique. 9 et 9, 18, ça fait 2 blocs. Oui! J'adore la transformation du métal en ce type-là. Alors, 1, 2, 3, 4. On en met un. Et on met la fire. Voilà. Potency. Potency. Voilà. Et du coup, je peux le mettre là-dessus. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est cool. Efficacité. Je crois que ça fait des plus grosses boules en fait. Là, c'est plus fin. Ouais, plus gros. Là, potency, c'est plus large. Ça doit être ça. Ok, bon. Vous me direz ce que ça fait réellement, parce que moi je ne sais pas du tout à quoi ça sert, à quoi ça fait. Donc, ça sera toujours intéressant de savoir à quoi ça fait. Wow. Wow, un autre bloc. Wow, c'est cool. Et c'est trop cool. J'adore les bagues. Je vais arrêter de prendre des bagues parce que c'est trop de la merde. Savais bien qu'il y en avait 24. Voilà, bon, alors ceci étant fait. Ensuite, Madalens, on s'en fout. Hop, alors du coup, il nous demande ta mana tablette ring. Oh, on peut faire de la mana tablette en version anneau. Oh, c'est cool ça. Band of mana. Ouais, on peut la faire. Eh ben, on va se la faire. Hop. 1, 2, 3, 4. Tac. Et la mana au milieu. Tac. Alors par contre ça l'a bouffé littéralement. Mana 2, mana 2. Le bag. Ouah, c'est trop de la merde aussi. Et c'est fou hein, mais il n'y a que de la merde. C'est fou ça, il n'y a que de la merde. Inert art. Oui, crafter bubble. Ça c'est cool. Glitter Band Mana. Ah ouais d'accord, c'est pour mettre au-dessus. Ok, c'est cool. Ensuite, il nous demande. Alors, ça c'est un ring of magnétisation. Ça c'est assemblé à l'eau. Allo tous, récipe auto-crafting. Ah ok, donc quand tu l'as dans ton inventaire, par exemple des tables de tu veux crafter des tables de craft. Tout simple, vous avez du bois. Tu sélectionnes, pouf, hop, ça te les transforme. Oh, c'est tellement pété. Bah, pété, non, mais c'est cool. J'aime bien. Mana's Laboratory, XD. Il faudrait que je me penche plus dans ce système-là de... Ah, le warp, carrément. Redirection, Laboratory, phare, magnétisation.
Ring of magnétique. Fer et gold. Ah tiens, bah on peut la faire du coup. Fer et gold. Du fer, j'ai normalement ce qu'il faut là. Du gold. Fer et gold. Voilà. Il me manque juste de quoi faire du fer. Naturellement. 1, 2, 3, 4. Voilà. Hop, on descend. Voilà, Ring of Magnet. Ah oui, mais par contre, je peux pas. Hop. Du coup, ceci étant fait, je vais prendre ceci. Et du coup... Wow. Ouais, un crafting table, c'est pas comme si j'en avais trois autres, mais c'est pas grave. L'uncrafting table. Tiens, je vais voir si je peux l'uncrafter. Ah, je peux pas l'uncrafter. Oh, c'est con ça. On dirait que c'est désactivé. Ah, c'est chiant ça. Bon, de toute façon, je m'en fous un peu. Hop. C'est pas comme si j'avais tout ce qu'il fallait. Donc, du coup, nous, ce qu'on va faire, on veut... Je vais... Oh, du terra steel. Oh, c'est intéressant, tiens. C'est très intéressant. Ce que je vais faire, je vais vous laisser là cet épisode-là. J'espère en tout cas que ça vous a plu. C'était certes du botania, mais au moins j'ai pas fait trois fleurs et du coup j'ai fait plus de choses. Voilà. Et dites-moi ce que ça fait toutes les lens là, si vous avez des wikis dessus. Ça pourrait être très important pour moi sur ça, voire plus tard éventuellement. Sur ce, bisous tout le monde. C'était épais. Bisous.